Véronique. L'amour est dans le pré. Jalouse. Mais en garde Charles. Ça ne passera pas. Jalouse et n'ayant pas apprécié une blague de Charles, Véronique a souhaité mettre les choses au clair lors du nouvel épisode de L'amour est dans le pré, diffusé ce lundi 30 octobre sur M6. Une première dispute qui a chamboulé l'agriculteur. Une mise au point s'impose. D'abord inscrite à la 18e saison de L'amour est dans le pré pour conquérir Patrice, Justine s'est retrouvée au cœur d'un surprenant rebondissement. Lorsque Charles est venu rendre visite à l'agriculteur Normand, l'ex-rival de Justine est littéralement tombé sous son charme. Depuis, Véronique et l'éleveur de vaches allaitantes vivent une belle passion. Après avoir passé quelques jours chez son cher et tendre, elle a décidé de lui faire découvrir son univers dans l'Indre. Alors que tout se passait bien, un événement est venu bouleverser leur retrouvaille lors du nouvel épisode de L'amour est dans le pré, diffusé ce lundi 30 octobre sur M6. Alors qu'ils étaient dans un restaurant-bar, Véronique a surpris Charles en train de suivre du regard une serveuse. Si le père de famille a assuré qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie, cela n'a pas été au goût de sa dulcinée. Encore très remontée, elle a souhaité mettre les pieds dans le plat. Ne fais pas ça, je peux te dire que ça ne passera pas, lui a-t-elle garanti après lui avoir révélé être jalouse. Et d'ajouter, à l'heure d'aujourd'hui, je l'ai là. Ça ne passera pas, je connais mon caractère et je peux te dire, amuse-toi à ça ouais. Dès lors, Charles a été surpris par la jalousie de sa chère et tendre. Soucieux d'apaiser les tensions, celui qui a été privé de speed dating a tenu à la rassurer. « Je suis très fidèle donc tu n'as aucun souci », lui a-t-il assuré. Conscient d'avoir blessé Véronique, Charles n'a pas attendu une seconde de plus pour lui présenter ses excuses. Qu'importe, Véronique a tout de même voulu le mettre en garde. Des blagues comme ça, tu les gardes. Je suis resté là-dessus. Après, ça plaît ou ça ne plaît pas, excuse-moi de te dire ça, tu me gardes ou tu ne me gardes pas. Une déclaration qui n'a pas tardé à susciter un vent de panique chez Charles. Charles, l'amour est dans le pré, craque après sa dispute avec Véronique. Quelque peu chamboulé par la jalousie de Véronique, Charles n'a pu s'empêcher d'avoir quelques inquiétudes pour la suite de leur histoire. Je la prends comme elle est, ça, c'est sûr. Mais, si t'es jalouse comme ça, ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi. A-t-il déclaré face aux caméras de la production. Devant l'embarras de son chéri, Véronique a tenté de lui faire comprendre que sa jalousie était la preuve qu'elle tenait à lui. Difficile pour le céréalier de 43 ans de retenir ses larmes. Une vive émotion qui a quelque peu apaisé la colère de sa partenaire. Je vais pas te quitter comme ça, je te laisserai pas parce que si je te laissais, je serais encore plus malheureuse que toi. Lui a-t-elle confié avant de le prendre tendrement dans ses bras. Tout est bien qui finit bien.